Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à WWE Monday Night Raw. Et nous sommes à Los Angeles pour cet épisode exceptionnel. Et on est en compagnie de Nekaïs. Bonsoir tout le monde, en tout cas j'espère que vous allez super bien. Et on commence tout de suite ce Raw avec Cesaro. Cesaro, membre de la Cesaro Section. Que vient-il faire? Que vient-il faire pour ouvrir ce show? Bah rien. Ouais, peut-être qu'il va venir commenter. Qui sait? Peut-être. On rappelle qu'il a perdu sa chance pour le WWE Championship lors de WrestleMania. Malheureusement pour lui. Et oui, à cause, bien sûr, de Bobby Fish et de Kyle O'Reilly qui sont intervenus dans ce match. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est là. Et peut-être qu'il va vouloir se venger. Bon, écoutons Cesaro. Et vive la Suisse. La semaine dernière, Adam Cole a défendu son titre, mais la fin fut la même que lors de WrestleMania. Ces deux gars sont encore intervenus pour sauver Adam Cole. Mais cette fois, je suis intervenu pour les remettre à leur place. Mais Adam n'a pas voulu me répondre comme un homme. Adam, arrête de le cacher, tout le monde le sait. Adam, tu es derrière tout ça, c'est toi leur chef. À Extreme Rules, tes gars vont m'affronter dans un tag team match et mon partenaire sera Sheamus. The Bar arrive. Oh, premier match confirmé pour Extreme Rules. Cesaro et Sheamus appelé The Bar versus O'Reilly et Bobby Fish. Quelle annonce! Eh oui, Edge aussi est là! Eh oui, il va nous annoncer, on espère, quelque chose d'exceptionnel ce soir. L'annonce de Edge, c'est tonight. Et John Cena fait son retour énorme, Nekaïs. Eh oui, depuis WrestleMania, on l'avait pas vu, et là, il est là. Le leader de Yes Movement sera en action ce soir pour vous. Mais contre qui? Telle est la question. Et Finn Balor fera lui aussi son retour ce soir. On ne l'avait pas vu depuis WrestleMania aussi. Oh, et tout de suite les amis, nous allons avoir un match entre Epico versus Drew McIntyre. Oh lolo, ça ne va pas rigoler, Nekaïs. Je suis plein Epico déjà, à peine arrivé. Là, c'est vrai, il va affronter Drew McIntyre. Mais quelles annonces pour ce soir, les amis? Nous avons des annonces toutes autant exceptionnelles. John Cena de retour, Finn Balor de retour. L'annonce Bryan de Edge, en action. Daniel Bryan en action, ça va être exceptionnel. Mais veuillez accueillir l'adversaire de Epico. Celui qui a fait ses débuts la semaine dernière, veut l'y accueillir. Drew McIntyre. C'est quand même bizarre que Primo n'a pas accompagné Epico. Ça aurait pu l'aider face à Drew McIntyre. Oh, je crois que rien n'aurait pu aider parce que là c'est une brute qui arrive. Là c'est une brute. Ça aurait été même très très compliqué pour Primo à l'extérieur. C'est à mon avis, il aurait pris quelques coups. Donc moi je dis, pour Primo c'est intelligent de pas venir se faire défoncer. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour Epico, parce que du coup, il va en prendre encore un peu plus dans sa gueule. Mais bon. Un peu d'aide, ce serait le bienvenu. C'est vrai. Mais regardez-moi ça, cette montagne de muscles. L'écossais Drew McIntyre. Oh là 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 là. Qui a fait son retour à SmackDown il y a déjà quelques temps. Hein. C'était pendant la Road to WrestleMania. Il avait fait ses débuts. Et maintenant, il est à Raw. Oh mon dieu, il a été drafté. Et attention, oh là là, la droite de Epico, pardon. Encore une fois, le coup de boule. Oh là là là, quel coup de boule. Et la droite, encore une fois, et encore une droite. Oh là là, le coup de coude directement dans la face de Drew McIntyre. Oh, et encore une fois. Et encore une fois. Oh non, ce coup de poing. Quelle puissance. Quelle puissance de Drew McIntyre. Attention, oh non, non. Butterfly. Oh, Pile Driver. Oh mon dieu! Mais il lui a défoncé la tête! C'est pas possible! Il est KO! Il se relève déjà quand même! Il se relève! Encore une fois? Oh non! Non! Si! Deuxième fois! Encore une fois, ce Piler Driver retourné! C'est pas possible!
Oh, ce coup de pied directement dans la face de Epico. Il est déjà KO, Epico. Et c'est fini, hein. Oh mon dieu, oh, je crois c'est Zidane. Oh. On va y aller pour le Claymore Kick. Oh oui, il est en préparation, Nukais. Il est en préparation, Claymore Kick. C'est fini. C'était rapide. Wow. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Drew McIntyre. Bon bah voilà, hein. Match simple, rapide et efficace. On peut rien dire d'autre. Drew McIntyre a marché sur Epico Colon. Quel début pour lui. Oh là là, mais où va s'arrêter Drew McIntyre à Monday Night Raw? C'est sa deuxième victoire. Eh oui, et il enchaîne. Et très rapidement, donc il se fatigue même pas. Il peut encore faire 3-4 de matchs comme ça. Hein. Au suivant, next. Oh là là, mais en tout cas, une brute de plus à Monday Night Raw. Et oulolololololo, ça va être compliqué pour tous ses adversaires. Perso, moi, j'aimerais pas être adversaire avec lui. Faut fuir. Parce que l'Écossais va vouloir tous vous ratatiner. Oh, c'est qui? Je sais pas, non. Mickey James, peut-être. Je reconnais pas. Oh, j'en ai du mal à reconnaître. Si vous avez reconnu, les amis, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Et les amis, it's time. Voici the rapper do. John Cena. Il est là. Enfin. On peut pas dire the champ is here, mais the John Cena is here, les amis. Pour vous. Never give up à l'envers. Eh oui, il s'est fail, le John Cena. Bon, on sait rien, la prochaine fois, tu réussiras. Mais le public voici. N'applaudit pas, hein, c'est assez bizarre. Et, ouais, et au passage, nouvelle tenue pour John Cena. Hein. Mais avec toujours ces trois mots, respect, ouais. Loyauté, le dernier. Magnifique. Tu t'es mis dans la merde tout seul, je te laisse dans la merde. Je te laisse dans la merde. Mais là, voici John Cena. Et que va-t-il nous dire, lui qui a perdu lors de WrestleMania? Si je suis venu ici devant vous, c'est pour m'excuser. Oui, m'excuser pour WrestleMania 2. Je n'ai pas tenu ma promesse. J'ai lamentablement perdu face à Bobby Roode. Je me suis fait une remise en question. Suis-je encore au niveau pour être à la WWE? Est-ce que ma place est encore ici, à la WWE? Je suis multiple champion de la WWE, multiple champion World Heavyweight, j'ai tout gagné. Mais surtout, je reste le visage de cette compagnie et je ne dois pas flancher. J'ai ma place ici, au top de la compagnie. Je fais partie de ce business. Alors, Monsieur Roode, c'est à mon tour de te défier pour Extreme Rules. Oh non, tu laisses Bobby Roode tranquille, il t'a battu, allez, c'est fini, John Cena. Mais est-ce qu'il va venir? Et oui! Mais non, il est là. Mais Bobby Roode, mais pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Ça tue les yeux, là. Magnifique. Bon, certes, grâce à son apparition, Roode devient glorious. Mais non, on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Bobby Roode, ta route était pour aller chercher un titre. Et pas revenir encore avec cette semelle de John Cena. C'est peut-être ce qu'il va dire maintenant. J'espère, il faut qu'il lui dise non John Cena, je t'ai battu, c'est tout. Passe à autre chose. Impossible. Bobby Roode ne va pas se cantonner à John Cena toute sa carrière quand même. Non, mais après il a peut-être droit à sa revanche John Cena aussi. Il a perdu, toujours une revanche. Mais y a pas de revanche, y a pas de titre. On s'en fout, il y a comme des revanches. Bah oui, bah non, moi je suis pas d'accord. Bobby Roode, dis-lui que tu n'es pas intéressé par une revanche, tu l'as déjà battu, c'est tout. Allez Bobby. Bobby qui rentre dans le ring. Allez Bobby, montre-lui. Oh, il va prendre le micro. Que va-t-il nous dire Bobby Roode? Il joue avec le public. Écoutons Bobby Roode. John, oui, tu n'es plus au top niveau et je dirais même que tu n'es plus au niveau pour être ici à la WWE. Tu veux m'affronter pour Extreme Rules? À une seule condition, une stipulation pour notre second match. Je vais te prouver que tu n'as plus le niveau.
On va s'affronter dans un table match. Si tu me bats, je te respecterai un peu plus. Ah, il t'a pas écouté. Il m'a pas écouté. Mais en tout cas, je sais que Bobby Roode, dans un table match, va battre John Cena. Il va beat up John Cena. Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que Cena va gagner. Il va gagner sa revanche. Et on aura pourquoi pas la belle que Cena, bien sûr, va encore gagner. Oh oh. Edge, j'ai le droit à une seconde chance au titre Cruiserweight. Donne-moi une chance de plus. Je suis pressé, mais écoute, je vais en parler avec Zach. Mais pour ce soir, je t'offre un match dans le main event face au champion des États-Unis, Rusev. Oh bah c'est la fin pour lui. C'est la fin pour lui. Et en tout cas, voici le New Day. New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. New Day Rocks. Tu veux un bouillos? Ou peut-être oui. Un pancake? Moi, je préfère les pancakes. Kofi, celui-là. Non, il m'entend allez, pas. Balance lui en un, vas-y Kofi, vas-y, il sera content. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Bobby Roode versus John Cena est deuxième match confirmé pour Extreme Rules. Eh oui, ça fait déjà deux beaux matchs annoncés. Eh oui, les annonces s'enchaînent les amis, les annonces s'enchaînent. Et là les amis, nous allons passer un match exceptionnel entre Kofi Kingston et son adversaire que je vais vous laisser découvrir dans quelques instants. Et le voici, le leader du Yes Movement, veuillez accueillir Mr. Daniel Bryan, ancien champion des États-Unis. Et voilà, le public toujours au like, les Yes. Et oui, les Yes qui retentissent dans l'arène. C'est énorme ce public de Los Angeles, énorme. La Californie est déjà un beau état. Mais alors là, ce soir, ils nous montrent encore plus dans cette salle. Regardez-moi ça, tout ce public qui est en train de faire yes avec leurs mains. Allez, on va partir pour ce match entre Daniel Bryan et Kofi Kingston. Les deux attention. Hommes se regardent. Voilà, ça commence. L'arbitre a sonné la cloche. Attention. Oh, les deux hommes se charrient. Attention, ça va pas partir. Et voilà, oh, avec on est prêt de force. Et oui. Qui va remporter cette épreuve, attention. Et c'est Kofi, hein. C'est Kofi qui a l'air de prendre l'avantage. Et toi, oui, c'est Kofi. L'arbitre est obligé de les séparer, il a raison. Mais oui, c'est deux gabarits identiques, hein, on peut le dire. Niveau gabarit, c'est identique, même si niveau in-ring, c'est pas totalement pareil. Daniel Bryan un peu plus technique, Kofi Kingston un peu plus high-flyer. Et attention, Kofi Kingston qui projette Daniel Bryan dans les cordes. Il le fait passer par-dessus. Il va enchaîner avec ce running neckbreaker, magnifiquement porté de la part de Kofi Kingston. Waouh. Ça commence bien, attention, ouais, c'est pas fini. Oh, le neckbreaker, oh non, c'est contré par DB. Oui. Oh là là, bien joué Daniel Bryan, ce coup d'avant-bras. Et Daniel Bryan qui va relever Kofi Kingston. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, non. Pas déjà? Ah, oh, il non, attaque le bras. Il attaque le bras, eh oui. Et attention, Kofi qui résiste, mais il a du mal. Il est près des cordes, mais il est près des cordes. Il a du mal. Il l'avoir. Non, il a pas oh, besoin. Oh, il s'en sort. Kofi Kingston qui s'en sort, fort heureusement. Et attention, oh là là, bien joué ce coup d'avant-bras. Attention, et encore une fois. Cette manche-tête. Attention. Non, c'est raté, attention, Daniel Bryan qui reprend, et voilà, lui aussi une manche-tête. Et il envoie Kofi Kingston dans le coin. Qu'est-ce qu'il va faire de lui? Il l'envoie dans l'autre coin. Oh mon dieu, là là là, c'est pas tête. Fini oh, il va... Non, oh mon dieu. Directement dans la face de Kofi Kingston. Alors que nous avons Xavier Woods qui faisait du trombone à l'extérieur. Comme d'hab, hein. Et comme d'hab, hein. Attention, et un, et deux, et non. Non. Ça ne se finit pas tout de suite. Pas tout de suite. Attention, Daniel Bryan. Oh, le coup de pied bien joué de la part de Kofi Kingston. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Kofi? Kofi. Et il tente le petit paquet. Laissez passer, et un. Même pas un, zéro. Oh, heureusement pour Daniel Bryan. Hein. Il aurait pu se faire surprendre là-dessus, hein. Que fait Kofi? Attention, bah il se regarde. Oh, il lui dit attention, hein. Attention, ouais, mais Daniel Bryan il en a rien à foutre. Show est parti. Et allez, magnifique. Et on se rappelle que le match à WrestleMania était exceptionnel entre Daniel Bryan et Kenny Omega. Hein. C'était du 5 étoiles. À revoir. Oui. Oh, Dieu, c'est pas possible. Ça va, il a pas l'air d'avoir trop de séquelles encore de WrestleMania. Bon, maintenant ça commence à faire 2 semaines, donc ça va. Il est en train de se reposer. Oh là là, exactement, il a eu le temps de se reposer. Là, ce DDT de Kofi Kingston, il a pas le temps de se reposer. Il a le tombé. Et un. Et... Non, ça va. Ça va, il est dans le match.
Il est dans le match. Oh, encore une fois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Que oula, c'est... Non. C'est mauvais, Kofi. Ça fait mal au ventre. Ouh, dans l'abdomen. Il se prend la corde. Aïe, dans l'abdomen. Ça fait mal. C'est pas fini. Oh, ce splash. Et Kofi qui domine ce match. Hein. Imagine Kofi Kingston bat Daniel Bryan. Kofi c'est Kingston possible. Pourrait retrouver une carrière en solo. Hein. Pourquoi pas? Il quitte New Day un peu. Non, peut-être pas. Hein? Oh. Et pourquoi pas? Oh, attention, bien joué. Ce coup de tête magnifique. Et Kofi Kingston qui relève Daniel Bryan. Kofi Kingston qui envoie Daniel Bryan dans le coin. Qui répond plus, hein. Il répond plus, non, Daniel Bryan. Ah si, voilà, je t'ai dit ça. Oh, attention. La souplex, la backsplex. Le German suplex, c'est bien. Il est KO, Kofi. Ah oui, il est KO. Il est KO là-dessus à Daniel Bryan qui est monté sur la 13ème corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Descendre du coude, magnifiquement porté de la part de Daniel Bryan. Aïe, ils vont peut-être enchaîner. Et il enchaîne avec ses yes-kick. C'est parti. Yes. Oh, yeah, dans la face de Kofi Kingston. Et il enchaîne encore une fois qu'une soumission au bras. Oh non. Ah, il enchaîne. Il a carrément retourné le bras. Il a retourné l'épaule. Sion, et un. Et deux. Et non. Simplement deux. Et allez, ce match-là, il commence à prendre de l'importance, là. Daniel Bryan est revenu dans ce match. Attention, Daniel Bryan qui projette Kofi Kingston dans le coin opposé. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, encore une fois. Et encore une fois, des yes kicks. Oh là là là. Il faut se calmer. Dans le corner. Oh là, regardez, là. Aïe. Oh, mon Dieu, la puissance des coups de pied dans le torse au pauvre Kofi Kingston. Regardez le public, qui je suis. Oui, le public aime bien les coups de pied apparemment. Attention, encore une fois. Il est KO, Kofi. C'est beau. Bryan a repris dessus. Je pense qu'on peut dire que c'est fini là. Attention. Ouf. Oh mon Dieu. Attention, encore une fois un coup de pied. Et là, le coup de pied est contré par Kofi Kingston. Et il envoie directement Daniel Bryan au sol. C'est très très bien fait de la part de Kofi Kingston. Et Kofi Kingston va en finir, je crois. Oh mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Oh magnifique, il lui a sauté dessus, il enchaîne avec des droites et il continue. Oh mon Dieu, là, Daniel Bryan ne répond plus. Et attention, ce coup de genou dans la face de Daniel Bryan. Allez, faut enchaîner là, Kofi. Si tu veux une chance de victoire, faut enchaîner. Oh, le cutbuster. Magnifique de la part de Kofi Kingston. Attention, et un, et deux, et non, c'est pas possible. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin pour Kofi Kingston. S'il perd ce soir, il va pouvoir s'en vouloir. Hein. Parce qu'il était proche de la victoire. Hein. Attention, Kofi Kingston descend du coup, lui aussi, mais directement dans le dos de Daniel Bryan. Et il enchaîne. Oh. Regardez le dos de Daniel Bryan, il est complètement tordu. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non. Oh mon Dieu, non, ça va. Ça va, il s'en sort. Oh là là, mais regardez à droite de Daniel Bryan, il voulait enchaîner avec un coup de pied, mais ça n'a pas marché. Exactement. Il a dû prendre exemple sur Rob Van Dam, ancien de la WWE. Oh mon Dieu, bien joué cette descente de la cuisse. Allez, faut enchaîner, mon petit. Et allez, il tente de tomber. Et un, et deux. Oh là là, simplement deux. Ça devient de plus en plus dur pour Daniel Bryan. Un Trouble in Paradise et je pense que ça serait fini pour Daniel Bryan. Passe un étranglement au sol. Et oui, très très bien fait de la part de Kofi Kingston. Regardez, Daniel Bryan n'arrive pas à se retirer. Hein. Daniel Bryan n'arrive pas à se retirer. Et si, aïe, je crois que c'est bon là. Je crois que c'est bon, il va réussir. Oh oui. Et regardez ses coups directement dans l'abdomen de Kofi Kingston. Attention, bien joué cette manchette de la part de Daniel Bryan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il met Kofi au sol, il cède de la corde pour prendre de l'élan en hauteur et directement dans la glotte de Kofi Kingston. Ça fait très très mal. Oh, attention, c'est peut-être fini là pour Kofi. Oh. Et c'est parti. Yes lock. Il y a l'histoire pas loin. Ouais, mais Kofi non. Il peut les avoir. Il arrive pas. Voilà, il les a eu. Oh, il les a eu. Oh, heureusement, parce que là c'était la fin. Je pense pas qu'il aurait pu résister. Attention, la droite. Attention. Oh là là là, le coup d'avant-bras de Kofi.
Allez, il faut que t'enchaînes, Kofi. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être attention. Un deuxième corde. Oh là 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 là. T'en as deux DDT. C'est la deuxième corde. Oh, il est parti. Boum. Boum. Attention, il va peut-être y aller. SOS. SOS. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a changé. Il a fait son SOS. Comme à l'époque. C'est fini. Et un. Et deux. Oh non. Mais non, il se relève. C'est pas possible. Comment il a fait? Comment il a fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Allez. Oh mon dieu. Running Neckbreaker. Il est en forme, Kofi. Non mais comment Daniel Bryan a réussi à se relever? Moi c'est ça que je me pose comme question. Ouh, la descente de la leg drop contrée par Daniel Bryan. Oh, il enchaîne. Oh là là, ce coup d'avant-bras, mais quelle puissance. Oh, Kofi est mal retombé. Hein. Kofi est mal retombé. Hein. Oh, on est parti pour le Running Knee. Et oui, je crois que oui. Running Knee. C'est fini. Et un. Et deux. Et trois victoires de Daniel Bryan dans un match extraordinaire. L'opposant à Kofi Kingston. Waouh. Très bon match qu'on a eu à Raw. Rien à dire. Parfait. Ah, mais, clairement, mais ces deux hommes nous ont livré une performance digne de WrestleMania pour ce Monday Night Raw. C'est incroyable. C'est incroyable. I love WWE. I love Monday Night Raw. Les amis. Quel match. Quel match entre ces deux hommes. Je suis corps sur le cul. Parce que la prestation que nous a livrée Kofi Kingston est tout simplement splendide. Et le retour de fille du SOS. Eh oui. SOS is back. De la part de Kofi Kingston. Mais même ça, ça n'a pas suffi pour battre Daniel Bryan. C'est pour te dire. Oh mon dieu. Quelle performance. Bryan est d'un autre niveau, je pense. Eh oui. Malheureusement, c'est là que tu vois la différence entre un champion tag team et un ancien champion des États-Unis. L'ancien champion tag team, malheureusement, il lui manque le petit truc pour se surpasser. Mais en tout cas, bravo Kofi Kingston et surtout bravo Daniel Bryan. Regardez aussi le public est en feu là. Yes. Eh oui. Yes. Il est rentré en communion avec le public. Regardez-moi ce public. Oh mon dieu. Fantastique. Fantastique. Oh. Que va dire Daniel Bryan? Oh. Bon, oh, il a quelque chose à nous dire. Bon, les amis, écoutons Daniel Bryan. Il est temps pour moi d'aller chercher l'or suprême. Je m'ajoute à la course pour le titre WWE. Oh mon dieu! Daniel Bryan s'ajoute à la course au titre WWE, mais c'est extraordinaire, le Kais. Et oui, maintenant, Adam Cole doit se méfier de Daniel Bryan. Mais il doit se méfier de Cesaro, de Daniel Bryan. Mais c'est pas possible. Il y a trop de monde. Et nous allons passer à l'annonce de Edge. Et ça va être maintenant, les amis, sur votre chaîne préférée. Oh mon dieu. Que va-t-il nous dire? Va-t-il nous parler justement de l'or suprême? Et le voici, The Rated R Superstars, et votre GM de Monday Night Raw, Edge. Et une petite nouvelle tenue lui aussi. Eh oui, nouvelle tenue pour Edge, avec le petit logo de Raw. Bien sûr, il représente sa brand, il représente sa brand. Que va-t-il nous annoncer? J'espère de très bonnes choses. On l'espère tous, mais je n'en doute pas. Quand il s'agit de Edge, de nous faire une annonce, on n'est jamais déçu, les amis. L'opportuniste ultime, comme il était en tant que lutteur, va peut-être nous faire un petit coup d'opportuniste ce soir, avec cette annonce. Allez, écoutons. Il s'échauffe. Il s'échauffe pour parler. Je vais pas tourner autour du pot. Vous attendez tous cette annonce. Les superstars backstage aussi l'attendent. Cette annonce va concerner le WWE Championship. À Extreme Rules, Adam Cole défendra son WWE Championship dans un 5-man Extreme Rules match. Les 4 challengers sont Seth Rollins, Kevin Owens,
CM Punk et Daniel Bryan. Mais en plus de tout ceci, Asuka défendra son titre face à Charlotte, qui a gagné sa chance pour le titre. D'autres choses arrivent. Extreme Rules sera barbare. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Quelles annonces exceptionnelles de la part de Edge! Pour Extreme Rules, qui s'annonce phénoménal. Oh mon dieu! Mais c'est pas possible! Asuka versus Charlotte, mais surtout ce Fatal 5-Way pour le titre WWE Extreme Rules! Mais non! Entre CM Punk, entre Daniel Bryan, entre Seth Rollins, entre Adam Cole et Kevin Owens! Mais c'est incroyable! Bon, là, il va y avoir un truc d'un peu moins incroyable qui va démarrer avec Brie et Brooke en équipe. Et voilà, c'est officiel pour Extreme Rules. Pour le Raw Women's Championship, Asuka défendra son titre face à Charlotte. Et nous aurons aussi un table match entre Bobby Roode et John Cena. Et un match tag team. Et oui, Tornado exceptionnel entre Sheamus et Cesaro, donc The Bar, versus Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et pour le main, sûrement le main event d'Extreme Rules, Adam Cole remettra son titre en jeu contre CM Punk, Daniel Bryan, Seth Rollins et Kevin Owens. Waouh, c'est extraordinaire. Et oui. Et là, Brie Bella fait son entrée. Brie Mode. Ouais. Quels vont être leurs adversaires à Brie Bella et Dana Brooke? La surprise. Surprise. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi la surprise. Attention. Oh, et Dana Brooke est déjà là. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est un nouveau clan. Mais oui. Attendez, mais Ruby Riott était toute seule avant. Mais pourquoi maintenant c'est comme ça? The Riott Squad. Alors on peut reconnaître Liv Morgan à votre gauche et Sarah Logan à votre droite, les amis. Elles viennent tout droit d'NXT. Wow. Ok. D'accord. Peut-être Ruby, pour gagner un titre, s'entourer de bonnes personnes, ça peut être pas mal. Et c'est Sarah Logan et Liv Morgan qui vont commencer. Et donc là, c'est Dana Brooke versus Liv Morgan et The Blonde. Oh mon dieu, bien joué ce dropkick de la part de Liv Morgan. Et Liv Morgan qui relève Dana Brooke. Oh, bien joué. Allez, descend. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Attention, Liv Morgan. Oh là là, ce dropkick directement dans le dos de Dana Brooke. Et apparemment, elle lui crie dessus. Voilà une caractéristique de Liv Morgan. Oh là là. C'est vrai. Bon, ceux qui ont suivi NXT peuvent la connaître. Hein. Attention, oh là là là, ce backbreaker. Et c'est pas fini. Elle le maintient. Aïe, cette torsion, elle a dû faire très très mal. Attention. Attention. Et le changement. Et c'est l'entrée. Près de Brie Bella. Brie Bella, Liv Morgan, ça nous rappelle des souvenirs. Et le dropkick de Liv Morgan. Et Liv Morgan qui relève Brie Bella. Attention, elle projette Brie Bella dans le coin opposé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un changement? Ouf. Non. Ouais, pied. Oh mon dieu. Oh là 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 là, attention, c'est contré. On va y aller pour un running bulldog de la part de Brie Bella. Et Brie Bella. Elle est en forme. Et oui, elle est en forme. Brie Bella qui relève Liv Morgan. Tournement du bras. Que... Oh non, c'est contré par Liv Morgan avec un coup d'avant-bras. Elle finit. Oh, il y a voilà. But. Et il y a but. Et le but pour Liv Morgan, 1-0. Oh là là, mon dieu. Elle lui a mis la face contre terre. Mais attention, et on envoie Brie Bella dans le coin. Attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, pas mal. Oh, magnifique. Mais c'est même magnifique, le KSKO, c'est pas mal. Non, c'est magnifique, l'enchaînement que vient de nous réaliser Liv Morgan. Et elle envoie encore une fois Brie Bella dans le coin. Et ça va être l'entrée de Sarah Logan, hein. L'homme forte, on va dire, de ce groupe. Oui. Un peu la fort. Cogneuse. Ah oui, c'est la cogneuse, la bagarreuse, Sarah Logan. Et ouais, bah voilà. Bah voilà, Tina Brooke, on a fait les frais. Attention, Sarah Logan qui envoie Brie Bella dans le coin. Ouf. Coup de genou, bien joué. Ouf, encore une fois. Ah, du contre sur contre. Oh, attention. Ouf. Oh mon dieu, le dropkick. Le dropkick de Brie Bella. Attention, bien joué cette powerbomb lancée dans des cordes. Brie Bella. Et Brie Bella qui enchaîne. Hein. Brie Bella qui enchaîne sur Sarah Logan. Hein.
Attention, Brie Bella qui envoie Sarah Logan dans le coin. Ce drop kick, mais ça a été contré, je crois. Mais c'est pas. Oh, et on revient. Les coups de genoux. Ou peut-être même le Claymore kick, je sais pas, j'ai pas bien vu. C'est pas fini, la powerbomb. Et un. Oh, simplement un. Elle est toujours là. Elle est toujours là, Brie. Le fromage. Le fromage est présent. Attention, et on envoie Brie Bella dans le coin. Oh mon dieu, là c'était un vrai coup de genou là, dans les côtes. Et attention, c'est fini. Oh, c'était heureusement. T'es rapide hein, pour contrer un. Hein. Waouh, à la vitesse de l'éclair. Et attention, et le tag est fait. Et c'est l'entrée de Dana Brooke. Oh mon dieu. Oh, ce coup de pied. Ancienne bodybuildeuse. Hein, ah, un partout. Et un partout. Un partout, l'égalisation de l'équipe Dana Brooke et Brie Bella. Attention, Dana Brooke. Ouf, bah face contre coin. Attention, encore. Face au Claymore kick. Dans la face de Dana Brooke. Bon, ça n'a pas le même impact que Drew McIntyre, à vrai dire. Hein. Une petite différence. Une petite différence. Mais quand même. Bon, attention, ce coup de coude. Oh là là, cette douce droite. Oh là là, mais Sarah Logan. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon dieu. Deux coups de genou. Oh là là, qui a propulsé Dana Brooke directement dans le coin et elle s'est fait mal. Hein. Elle s'est fait mal, Dana Brooke. Regardez, elle se prend la cuisse. Oh là 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 là. Allez, faudrait peut-être enchaîner le Riot Squad. Et c'est l'entrée de Liv Morgan qui fait son retour sur le ring. Attention, DDT. Il est passé le DDT de Liv Morgan. Le tombé. Et un. Et non, simplement un. Simplement un. Dana Brooke qui tient encore. Attention. Oh, ce coup de pied. Oh mon dieu. Mais elle se relève quand même derrière. Hein. Mais je pense que c'est plus par réflexe hein, qu'elle s'est relevée. Oh, attention, parce que il était violent ce coup de pied. Allez. Allez, on va y aller pour un DDT. Pour une suplex arrière plutôt. Eh oui, elle est passée. C'est un point de suplex. Et on relève Dana Brooke. Et le coup de pied. Et ça reste pas fini. Le projet dans le coin. Oh non, c'est ce qui est pas Liv Morgan, heureusement. Ça fait deux fois qu'elle se fait contrer comme ça. DDT. Oh là là. Oh, Brie Bella. Elle a pas le droit. Elle a pas le droit, Brie. Oh, foutesse de merde. Et deux fois. Et oh, 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 oh. Monsieur l'arbitre, il va falloir agir, là. Voilà, Liv Morgan. Voilà, tu le ramènes dans le ring. Jamais 203. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Beastbuster. Oh, la gueule. Oh, la chiffre. La gifle de Dana Brooke. Encore une fois de pied. Oh, de l'ange. On s'est passé tellement vite. Oh, oui, c'était une rapidité à une vitesse exceptionnelle. Et attention, Dana Brooke. Oh, le coup de genou de Liv Morgan. Oh, 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 oh. C'est fini. Oh, Dieu. Oh, mon Dieu, extraordinaire. Extraordinaire, cette prise. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Mais quelle est magnifique cette prise! Oh là 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 là! Que fait. Oh, oh. Que fait Sarah Logan? Sarah Logan! Oh mon dieu! Ce coup de bélier! Directement c'est Brie Bella! Oh, regardez! Attention! Bon, elle va enchaîner! Oh! Oh là là! Ce genou directement dans la face! De Dana Brooke, c'est fini! Et un! Et deux! Et trois! Quoi? Oh, impossible! Quoi? Comment elle a fait? Incroyable! Incroyable! Oh, mais là c'est contré! Oh, mais regardez Sarah Logan! Et voilà, elle vient aider sa coéquipière! Et voilà, là là! Deux contre un là! Mais c'est pas possible, comment elle a réussi à se relever? Elle triche! Elle triche! Oh! Voilà! On n'a pas le droit de tricher! J'avais rien vu moi! Il faut des lunettes! Dites-le dans les commentaires si vous avez vu quelque chose, mais moi j'ai rien vu en perso! Les lunettes! Ouais, peut-être. Peut-être. Oh, attention, il va avoir une prise à deux. Bien joué. C'est descendu directement dans le bas du dos de Dana Brooke. Et regardez Liv Morgan. Bien joué. Oh. Heureusement qu'elle a pas fait tomber Morgan. Et le reverse ici. Et vas-y Liv. Vas-y Liv. Bien joué. Leg sweep. Bien joué, c'est Russian leg sweep. Allez. Allez. Vas-y Sarah Logan. C'est le moment d'enchaîner. Il n'y a plus de Brie, il n'y a plus de fromage. Il reste que le pain. Ou le vin, comme vous voulez. Attention. Elle a peur. Et un. Et deux.
Et non, mais c'est incroyable. Dana Brooke se relève de tout. Attention, Brie-Bello. Brie-Bello. Oh, ça va. Bien joué, Sarah Logan. Voilà. Voilà le stack extérieur, cette peste. Elle enchaîne. Ouf, ouf, ouf. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh. Elle va la dernière. Allez, vas-y. Oh, ce coup de genou. C'est fini. Ce knee, c'est fini sur ce knee. Et un. Et deux. Et trois. Victoire du Riot Squad. Quel match. Quel match pour les débuts de Riot Squad. Ils nous ont impressionnés. Mais je me suis dit, peut-être les attaques surprises qu'on voit, c'est peut-être le Riot Squad qui fait les attaques. Ah. Peut-être. Mais c'est à suivre. En tout cas, une victoire pour ce clan. Et première victoire pour ce clan. Formé de Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Regardez ce coup de genou, ce knee. Corbeau éclair, je crois. Ah oui. Magnifique. Et un. Et deux. Et trois. Ah non, c'était simplement deux, c'est vrai. Et là, regardez mon sens. Running Bulldog. Ce facebuster, plutôt. Magnifique de la part de Liv Morgan. Ils ont dominé ce match, hein, clairement. Et on peut peut-être revoir la triche. Et voilà, on la voit bien, la triche. Elle triche. Non, mais elle a pas fait exprès. C'est dans le mouvement de l'action, elle a pas fait exprès. Mais bien sûr. Et là, cette powerbomb. Optique 2000, tiens. Ça te dit quelque chose? Non, je connais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce clan a remporté ce match. The Riot Squad. Un peu déçu personnellement. Mais une victoire reste une victoire. Adam, c'est quoi cette histoire avec Bobby et Kyle? Roderick. Cesaro m'accuse de faits non prouvés. Je connais Kyle et Bobby, j'ai lutté avec eux dans le cirque indépendant, tout comme toi. Je ne suis pas du tout mêlé à tout ça. La semaine prochaine, j'irai répondre à ces accusations. Oh! Oh là là! Il y a des choses qui se trimballent. Roderick Strong est en discussion avec Adam Cole? Oh. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est très bizarre. Mais en tout cas, voici le leader du Batters Club et du Bullet Club surtout. Voici Mr. Finn Balor. Et le voici. Le voici, le leader du Bullet Club. Que vient-il nous dire, Finn Balor? On espère des choses plutôt intéressantes. Hein? Ouais. Essayer de retrouver le chemin de la victoire. Effectivement. Effectivement. Là, voici Finn Balor. Et regardez, là, on va voir aussi une très belle communication avec le public. Une belle communion, plutôt. Et voilà, il n'y a pas que Daniel Bryan qui fait réagir la foule. Et aussi Mr. Finn Balor. Lui qui a malheureusement perdu lors de WrestleMania versus AJ Styles. Mais il a fait une très belle poignée de main. Donc, c'était beau. Et oui, c'était beau entre ces deux lutteurs. Deux anciens leaders du Bullet Club, justement. Mais là, quelle est la suite pour Finn Balor? Parce qu'après une défaite, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de s'y remettre. Hein. Que des défaites depuis qu'il a perdu contre Adam Cole. Quelle descente. Ouais. C'était la descente aux enfers pour Finn Balor. Mais il serait temps de la remonter, cette pente. On croit en toi, Finn Balor. En tout cas, le public l'a toujours soutenu. Et le public le lâchera pas. Allez, nous allons écouter ce que Finn Balor a à nous dire. Attention, oh là, oui, il a l'air énervé. Ah oui. Oh, écoutons Finn Balor. WrestleMania 2 n'était pas le plus beau soir de ma carrière. J'ai été perdant dans mon match face à AJ Styles. Notre histoire est terminée. Le Bullet Club est toujours vivant, ma famille est toujours présente. Nous allons reprendre la tête de Raw. Il est temps pour moi d'aller chercher un nouveau challenge. Je vais aller chercher le titre des États-Unis. Rusev, ce titre sera mien. Nakamura est ton challenger? Il le mérite pas. C'est moi qui mérite d'avoir cette chance. Il dit n'importe quoi. Non, il a raison pour le coup. Ah, il a raison.
Eh, ancien WWE Champion, il a plus de mérite que Nakamura. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Mais bon. Attends, c'est pas Nakamura qui arrive. C'est Sami Zayn. Oui. Oh, lui aussi voudrait un match pour le titre des États-Unis. Ah, mais faut faire attention, hein, parce que Rusev est capable de battre tout le monde. Ou pas. Presque tout le monde. Tout le monde. Et surtout Nakamura. Je pense pas. Oh, si je pense. En tout cas, que vient-il faire Sami Zayn? Veut-il une opportunité pour le titre des États-Unis? À mon avis, ça y ressemble. Ou alors, il veut peut-être tout simplement compter Finn Balor. Qui sait? Pour lui aussi, il n'a pas beaucoup gagné ce temps-ci. On l'a pas beaucoup vu. Et peut-être gagner face à Finn Balor, ça peut être que du bon pour lui. C'est vrai. Sami Zayn. Finn, tu ne mérites rien. Tu as lamentablement perdu à WrestleMania. Et tu veux une chance pour un titre? Sans te vexer, je mérite plus que toi. Toi aussi, tu as perdu lamentablement. Ne me compare pas à toi. J'ai été le tout premier Television Champion. Je resterai dans l'histoire. Oui, tu resteras dans l'histoire. Premier champion de télévision, mais surtout le champion avec le règne le plus court de l'histoire. Tu es drôle, Finn. Tu te crois supérieur à moi, c'est ça? Si on réglait ça dans un match à Extreme Rules, Finn Balor contre Sami Zayn. Sami, ça marche. Tu as ton match. Je vais pouvoir te faire fermer ta grande bouche. Soit prêt, soit à 100%, compris? Oh. On a notre match annoncé à Extreme Rules. Ouais, mais attention. Et attention, faut pas que ça se batte, hein. Les deux se regardent. Et nous avons un autre match confirmé, les amis. Lors du Extreme Rules, Finn Balor versus Sami Zayn. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les deux hommes se regardent? Assez étrange. Oh! Jinder Mahal? Qu'est-ce qu'il fait? Le Morandei Maharaja! Mais que vient-il faire? Que vient-il faire, Jinder Mahal? Pourquoi attaquer Sami Zayn? Mais qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qui se passe? Attention, le mec n'est peut-être pas confirmé. Attention, de Kalash, de Jinder Mahal. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je comprends plus rien. Et que fait Finn Balor? Ah non. Mal se casse. Mais je comprends plus rien, moi, ne casse. Ouh, la semaine prochaine, The Bullet Club versus The Uzo pour savoir qui seront les prochains challengers. Mais nous aurons aussi la réponse d'Adam Cole aux accusations de Fevaro. Et nous aurons aussi... un magnifique tag team match entre Daniel Bryan et Seth Rollins versus Kevin Owens et CM Punk. Oh, c'est incroyable. Oh, et le main event maintenant. Au main event. It's time to the main event, Nekais. Et voici le premier homme. Celui qui n'a pas réussi... à prendre le titre Cruiserweight lors de WrestleMania, Johnny Gargano. Il va faire face à une personne qui n'a eu aucun match à WrestleMania. Mais qui est invaincu. Pour l'instant. Pour l'instant. Et qui le restera après Extreme Rules. Peut-être pas. Oui, moi je te le dis, moi. Mais je suis perturbé là. Que vient faire Jinder Mahal? Je ne comprends pas. Peut-être aider Finn Balor, qui veut rejoindre le Bullet Club. Eh ouais, mais il a fait ses débuts en plus, hein. C'était ses débuts à Jinder Mahal. Ah, il fait chute. Ah, j'ai mal à l'oreille. Magnifique le public. What day is today? Rusev Day! That's right, you sing it loud and proud, ladies and gentlemen, today is Rusev Day. Et c'est parti, Rusev va venir détruire l'Amérique, le champion des États-Unis va venir détruire Johnny Gargano. Parce que today is Rusev Day. C'est bizarre, je viens de regarder mon calendrier et je vois aucun jour de Rusev. Bah, bizarre. Every day is Rusev Day. Tous les jours, c'est le Rusev Day. Tous les jours, Rusev va venir vous écraser.
Et tous les jours, Nukaïs, tu devras commenter les victoires, les victoires, les victoires de Rusev. C'est parti les amis, entre Rusev et Johnny Gargano. Le pauvre Gargano qui ne va pas faire le poids, hein. Je vous l'annonce. Et le public qui scande Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day. Rusev qui lui dit de venir. Et il le pousse par terre. Eh oui, Gargano, t'as pas la puissance. Oh, attention, ben oui. Mais bien sûr, bien joué mon Rusev. Allez, bien joué la droite de Rusev. Rusev qui projette Gargano dans les cordes. Oh, ce coup de genou dans l'abdomen de Gargano. Oh là là là, ce double accent no. Allez, Rusev qui relève Gargano et qui le renvoie dans les cordes encore une fois. Oh, le... oh, oh là, c'est contré par Johnny, enfin. Ok, je l'avoue, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Gargano. Qu'est-ce qu'il va faire? Et rien, rien du tout. Regarde. Oh mon dieu, Rusev qui est passé par-dessus la troisième corde. Aïe 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 aïe. Aïe caramba. Lolo. Arrête Gargano, arrête Gargano. Allez, oh, Rusev, continue. Allez, c'est le moment, Rusev. Oh mon dieu. Allez, Rusev. Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day. Rusev non, il a détruit le Gargano. Allez, non. Voilà, non, le coup de pied, attention. Oh, oh oui. Droite, la droite, ça c'est des droites énormes. Et voilà, c'est un coup d'avant-bras. Mais Rusev est déjà debout. Le champion des États-Unis, il y a du monde qui veut son titre, il y a du monde. Mais lui, il a peur de personne, lui. Lui, il vient, c'est pour détruire tout le monde. Rusev, alors c'est pas un petit Gargano qui va arriver sur son chemin. Oh, attention! Oh non, ça fout le camp! Oh, mais non, même pas! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Attention, le tomber, hein. Et un! Et non! Mais oui, il est là, il est présent, notre champion des États-Unis. Ou pas, il répond plus là, il a pas touché Gargano encore. À part au début, mais là, non! Oh, attention! Oh, attention! Il garde Rusev au sol! Il garde Rusev au sol. C'est intelligent de la part de Gargano. Ouais, mais il fallait le garder au sol, hein, parce que là, ça va devenir compliqué. On sait qu'il fait pas le poids. Il fait pas le poids, Gargano. Hein. Il faut qu'il garde... Oh, oh, Alabama Slam. Qu'est-ce que tu vas faire ? Alabama Slam. Oh, mon Dieu. Quelle puissance. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là. Oh non. Bon. Oh là là, mon Dieu. C'est pas possible, il l'a détruit. Il l'a détruit. Allez, c'est rien pour Gargano, il va revenir. Et le deuxième coup de pied, un troisième, bim. Un quatrième, et bim. Petit Gargano, va. Coup de boule, voilà. Ça, c'est du crâne, ça. Ça, c'est du crâne. C'est pas le crâne à Gargano. Allez, vas-y, vas-y, mon Rusev. Tu vas le faire, mon petit. Allez, Rusev qui envoie Gargano dans le coin opposé. Oh mon dieu, lui, il s'est fait un écrasement avec son dos. Son dos bien musclé. Et ouais. Allez, ouais. Gargano, il peut revenir. Regarde, il se relève. Oh, il est très très mal, Gargano. Ok. C'est pas tout ça fini. Et un. Et deux. Et. Oh, il est simplement deux. Simplement deux. Mais c'est bientôt la fin. Pour ton petit Gargano. Et allez, Rusev qui l'envoie encore une fois dans le coin. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il met sur la troisième corde. Oh, c'est dangereux, ça. C'est dangereux pour le pauvre Gargano, le poids plume. Et pour oui, Rusev. Il faut le rappeler, la tour 5 live. Hein. Attention. Oh, la nuque de Rusev a pris un coup. Et encore pire, le dos de Gargano. Oh là là. Attention, et un. Et deux. Et non, simplement deux. Mais un mec de tour 5 live ne peut pas faire le poids face à Rusev. C'est pas possible. Edge l'a envoyé carrément en pâture. Et encore une fois. Et le Alabama Slam. Oh mon dieu. C'est une destruction. Hein. Oh, heureusement qu'il y avait les cornes. C'est une destruction. Rusev est en train de faire vivre un calvaire à Gargano. La droite. Et non, c'est contré par Johnny Gargano. Allez, Gargano. Oh, bien joué. Bien joué. Allez. Allez. Neckbreaker. Oh. Ça c'est pas fini, que va faire Gargano? Oh. Il monte sur la troisième corde. Attention. Oh, le cross splash. Magnifique. Et un. Et oh non. Attention, le coup de pied. But.
Oh oui, encore 1-0 pour Gargano pour le coup. Non, même pas 1-0. Il a tapé le poteau. Je l'ai vu, il a tapé le poteau. Allez. Allez. Allez, Rousseff, relève-toi, mon petit. Relève-toi, mon petit. Te laisse pas prendre de vitesse par Gargano. Sinon, que tu vas faire? Quoi? Oh, il s'est mangé le truc! Les protections! C'est pas possible. Oh merde. Mais c'est fini? Oh non. Si? Non. Si? Non. Oh, pas non. Voilà, bien joué, Rousseff. Voilà. Moi, j'ai jamais douté de Rousseff. J'ai jamais douté. Oh non. Parce que c'est Rousseff Day. Ça sent pas bon pour Gargano. Oh non, je le sais très bien. Attention, il va l'envoyer derrière, et voilà. Je connais le moveset de Rousseff par cœur. Parce que je l'ai appris, le petit Rousseff. Et oui, c'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur, qui l'a appris. Allez, mon Rousseff. Voilà. Petit coup dans l'abdomen. Attention. Attention. Il ramène Rousseff. Il ramène Gargano au milieu du ring. On est parti. Oh non. Gargolade. Gargolade. Allez, Gargano, résiste. C'est rien. C'est rien, ça. Oh oh. Oh, la collade, la collade, la collade. C'est fini pour Gargano. Et non, et voilà, il se relève. C'est rien. C'est pas possible, ça. Et voilà, le reversibility. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Rousseff, maintenant. Oulou, allez, faut pas abandonner. Ta série, au revoir. Non. Non, pas de... Non, la série d'invincibilité. Oh là là, attention. Il y a Gargano qui enchaîne. Oh là là, il nous a fait un kick à la Kalisto là. Le petit Gargano, attention. C'est pas fini, qu'est-ce qu'il y a à faire? Encore enfin, non. Et voilà, oh. Il s'est mangé le coin. C'est pas possible. J'espère qu'il avait un petit creux. Je prends l'accent québécois, mais c'est pas possible. Oh. C'est pas possible. Oh non, allez, faut arrêter ça. Ça va pas le faire. Allez, mon petit Rousseff, allez. Toute la Russie est derrière toi. Allez, t'es le champion des États-Unis, tu contrôles les États-Unis alors que t'es russe, c'est magnifique. Et oh, encore une fois, Snake Breaker. Non. Allez, Rousseff qui est envoyé dans le coin par Gargano. Bien joué l'enchaînement de Johnny Gargano. On peut dire ce qu'on veut, mais Gargano là est bien revenu dans ce match. Attention. Et on envoie Rousseff de l'autre côté des cordes. Et... Oh là 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 là. Et du coup, Rousseff est passé. Par-dessus la troisième corde, c'est la deuxième fois. Et je crois pas que c'est fini. Oh, oh, que fait Gargano? Suicide Dive! Magnifique de la part de Johnny Gargano. Oh my god. Allez, bien joué. Cette droite de Rousseff. Oh. Inability to be over it suplex. Allez. Allez, il faut enchaîner. Allez. Allez, Rousseff, c'est bien. Voilà, Rousseff qui a repris le contrôle. Gargano ne répond plus présent. Et allez, l'enfourchement. Bien joué de la part de Rousseff. Allez, il faut que t'enchaînes, mon petit coup de pied dans la face. Allez, one more time. Non! Jackolade. C'est fini pour Gargano. Allez, tu peux te relever une deuxième fois. C'est fini. Abandonne. Abandonne, tu t'appelles pas John Cena, toi, c'est pas Never Gave Up. Et voilà, il n'abandonne pas. Non. Deuxième fois qu'il résiste. Oh, Frankensteiner. La nuque de Rousseff. Un certain commentateur de NXT, Mamma Mia. Et un, et deux. Oh mon dieu, c'est pas possible. Oh là là, c'est Frankensteiner. Il n'est pas passé. Rousseff est encore présent. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là, spinal kick. Attention, il enchaîne avec une gauche. Oh là là là, Rousseff qui est complètement KO. Mais c'est pas possible. Non, 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 faut pas que ça se finisse comme ça. Allez, Rousseff, change la tendance. Encore une fois. Oh non, double stomp contré. Double stomp contré. Voilà. On envoie Gargano, on le jette comme une merde. C'est ça. Bien joué. Et encore une fois. Jamais 203. Il a peut-être abandonné la Gargano, mais je crois pas. Non, et si il abandonne. Non. Et voilà. C'était celle de trop. Il faut arrêter. Et voilà. Victoire de Rousseff. Rousseff a montré à Gargano qui était le patron. Ouais.
regardez-moi encore ce choc. Aïe. Très bon match, on a eu au main event. Eh oui, mais malheureusement, Gargano n'a pas fait le point. Mais il a assuré. Il est revenu à un moment donné, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Regardez-moi ça. Oh mon dieu. Et regardez sous un autre angle de caméra. Mais il a dû se casser des dents. Et là, c'est Frankensteiner. Oh, quel impact. Quel impact, les amis. Et votre champion des États-Unis, c'est la formation. Et toujours invaincu. C'est incroyable. La série qu'il a est incroyable. Oh là là. Regardez Johnny Gargano qui était monté sur la 13e corde. Mais ça n'a pas suffi. Victoire de Rusev sur son accolade. Voilà. Magnifique Rusev. Qui a encore une fois gagné, malheureusement. Eh oui. Rusev est au-dessus. Oh. Et Nakamura, il est là! Et oui! Mais non? Si! Mais... Nakamura, non? En face à face! Mais il parle pas la même langue, je crois. Oh, il lui dit commande, hein. Il se fout de sa gueule. Allez, ça. Attends, voilà! Avec le Rusev, vas-y. Prends le de par derrière. Oh! Oh l'enfoiré! Dégage shot! L'enfoiré! Il a pas le droit! Il a pas le droit! Non. Oh, je crois qu'il va partir. Eh oui! Attention! Non. Si! Non. Non, il le fait pas. Ouf, ce coup de pied, c'est pas possible. Oh, il est parti. Attention, parti. Kinshasa. Goodbye. Hein. C'est honteux. C'est magnifique. C'est honteux, les amis. C'est magnifique. C'est pas possible. J'ai rien à dire, c'est parfait. Quelle entrée en scène de Nakamura. Voilà, Rusev, c'est fini. Les amis, nous on va se cesser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et nous on se retrouve au prochain épisode. Nakamérica, à bientôt.